est lundi 28 mars. Je vous retrouve dans ce vlog. En fait, figurez-vous que je vous ai tourné un vlog précédemment et mon micro a lâché et du coup, on m'entend pas du tout parler. Donc, le vlog partira à la poubelle. Je vais en récupérer un petit bout. On était en train de créer cette illustration-là ensemble. Et du coup, je vous la remets juste après. Dans ce vlog-là, je vous parlais qu'on avait reçu en fait les... Hop, je vous fais tourner avec moi. On avait reçu les affiches, alors j'en profite pour vous montrer. D'ailleurs, j'ai acheté des petits bacs de rangement, voilà, dans lesquels pouvoir mettre les affiches à 4. Et on a reçu du coup le petit fantôme. Voilà, le petit fantôme jonquille, qui vous apporte des jonquilles. C'est vraiment pratique, hein, ces bacs-là, c'est parfait pour un format A4. On a reçu l'impératrice, je l'adore, elle est magnifique. Elle est magnifique, comme ça, en grande. On a reçu l'abeille aussi. Elle est superbe, comme ça. Et on a reçu cette aquarelle-là, qui vous a beaucoup plu. Je suis contente. Alors, j'ai acheté aussi un tout petit bac, comme ça, pour pouvoir mettre ces cartes postales, puisque d'habitude, regardez, elles sont rangées juste en dessous de cette façon-là, ce qui est assez pratique aussi, donc je sais pas, on verra. Là, j'ai mis les cartes du bout tarot. Ici, j'ai mis les cartes de Noël. Il m'en reste vraiment plus beaucoup, d'ailleurs, des cartes de Noël. Et derrière, il y a les cartes de l'oracle des reflets avec les saisons printemps, été, automne, hiver. Il y a aussi la carte de la... J'adore celle de l'hiver. Il y a aussi celle... Ah bah tiens, il m'en reste plus qu'une d'ailleurs de celle-ci. On a le nid, la construction... Et le ralentissement avec la tortue. Je les adore aussi. Alors là, j'avais fait en fini brillant. Celles-ci sont soft touch. Celles-ci sont brillants. Et celles que je viens de faire sont en matte. Voilà, des fois, je change. Le brillant, des fois, assombrit un petit peu les couleurs. Donc là, je voulais surtout pas que ce soit plus sombre. Et elles ont un rendu nickel. Il est vraiment chouette, c'est mon petit imprimeur toulousain à côté de la maison qui fait ça. Et ça rend super bien à chaque fois. Voilà, donc les nouvelles petites cartes postales sont là. Les affiches sont bien rangées ici, je suis vraiment contente. Et vous voyez que tout est en train un petit peu de se vider d'ailleurs. Il y a mon tapis de course et mon tapis de yoga derrière. Mais voilà, je commence à emmener des choses dans la nouvelle maison. Et nous n'avons plus de Tanis. Il en reste plus qu'un ici, mais c'est pour un envoi. Et ça y est, le Tanis, la seconde édition du Tanis est définitivement finie. La troisième édition arrivera dans le courant de l'année. Il faudra être un petit peu patient. Je ne sais pas encore quand, j'ai pas encore de date. Et pareil pour l'oracle des reflets. En fait, il me reste plus que cela. Voilà, si vous voulez une seconde édition de l'oracle des reflets... C'est le moment ou jamais, parce qu'après, il n'y en aura plus. Et en plus, je les ferai plus de la même façon. Alors, autant le Tanis... Non, le Tanis aura les cartes qui changent, puisque le Tanis, en fait, j'avais fait les cartes avec un carton spécial. Et avec la pénurie de papier, impossible pour mon imprimeur de retrouver, en fait, le même type de carte. Donc ce seront des cartes... un papier qui sera comme celui du reflet de lune. Donc un peu moins rigide, un peu plus souple, par contre toujours en 350 grammes, hein, donc on garde toujours cette qualité-là, mais ce sera plus exactement le même papier, en tout cas pour la prochaine édition, puisque de toute façon, c'était pas possible, plus de papier. Et le Tanis, il avait un toucher soft touch, qui a plu à certains d'entre vous, qui a déplu à d'autres, en tout cas ce sera la dernière édition avec ce soft touch. Les prochaines éditions se feront avec un vernis mat. Du coup, on retourne sur le vernis mat. Voilà.
Donc si vous voulez un vernis soft touch et une seconde édition, c'est le moment ou jamais. Je vous propose du coup qu'on continue cette illustration-là ensemble. Je vous ai filmé le début avant que mon téléphone ne lâche. On va la reprendre ensemble. Et vous voyez, j'ai fait un thème jardinage. J'avais envie, que je peux pas aller jardiner en ce moment, donc je peins le jardin. Et il y a cette seconde planche. Alors vous le voyez peut-être pas très bien parce qu'en fait j'ai gommé le crayon pour pouvoir ensuite faire l'aquarelle par-dessus. On la fera aussi ensemble, je vous montrerai ça. Voilà, on va déjà commencer par terminer celle-là. Je suis déjà bien contente du premier rendu. Et je ne sais absolument pas pourquoi je fais cette planche. J'avais vraiment, c'est juste une envie. Je ne la fais pas dans le but de vous faire une carte, un mug ou quelque chose. Je ne sais pas. Je vous avoue que je ne sais pas. J'avais juste vraiment envie de peindre du jardin. donc voilà, je me suis fait plaisir. Et puis en même temps, ça me permet aussi de faire mes petits exercices d'aquarelle, on va dire ça comme ça.